C'est bon. La finale CVS2 arrive. Oh, il y a des jolis garçons pour cette finale. C'est Max, enfin CIB pardon, contre Zargaf. Les Segrooveurs ont gagné aujourd'hui. Et on va avoir du Blanca à ratio 2, je pense. Ça vient d'un complot quand même. Les Segrooveurs ont direct été mis ensemble. Voilà, donc déjà pour CIB, Sakura, Honda, Blanca en Segroove donc. Et de l'autre côté, Yamazaki, Rugal et Blanca ratio 2, donc j'avais vu juste. Ça c'est le type que j'aime ça. Allez, premier match. Blanca ratio 2 dans CVS2, c'est tellement rare. En deux gagnants. Chun-Li, Sakura pardon en Segroove, par contre c'est plus original. Allez, roulade chop. Ça finit pas. Ça presse. Il y avait de la part de CIB, c'est boule. Face chop derrière le défic, c'est cross chop. Allez, moitié de barre de garde. Presse. Bien, RC boule. Exactement, RC boule dans le pressing de Yamazaki. RC Tatsu. Ça va lui péter la garde. Ça pète la garde, effectivement. Ça tape dans la garde pour essayer de provoquer un crush. Attention, c'est plutôt serré, mais la garde de Yamazaki vacille. C'est tellement concentré sur la garde qu'il n'a pas confirmé ses lives. Et encore, on vient de bouffer une chope derrière son saut, là. Ça prépare ses furies sur la relevée, c'est clair. Ouais, ah, c'est beau, c'est ça. Bien vu, c'est très très bien vu. En pile dans le défi, et on n'utilise que la level 2, juste ce qu'il faut pour tuer. Bonne gestion de la barre. Non, le Honda de CIB va devoir liquider ce qui reste de Yamazaki. Donc ça fait des phases bizarres, light roulade. Un counter, allez, Yamazaki s'incruste dans le match, il veut pas mourir le salaud. Voilà, une saute sortie, le mini-main qui pourrait presque le tuer. Ah, ça a tenté une escroquerie, mais ça a bien fini la roulade. Ouais, je te rappelle mon je réponds au téléphone pendant la finale. Un peu de sérieux, merde. Allez, Rugal contre Honda, le moustachu contre le gros sac. Voilà, entière avec le coup de tête. On se couille. Ah, ça aurait pu entraîner sur une furie, ça. Allez, encore un coup de tête. Ah, il rate. Ah, pourtant, le sprite est gros. Oh, c'est bon, il rate. Croche les morceaux comme il peut. Cross up, bien gardé. Le coup de tête pour fuir ou contrer. Le Rugal est en boîte, il est en boîte, attention, Honda c'est un véritable mur. Ah, il a raté son confirme dragon derrière ses balayes. Tout le monde refait sa barre, mais Honda il l'a toujours. On s'en charge là avec des roulades. Allez, anti-air encore, il y a... Ouais, attention, la chope elle fait mal, ouais, évidemment. Et le 3-6 qui vient de passer sur la relevée du Rugal. Bouffe marais. Allez, maintenant ça va être Blanca qui va devoir s'occuper du Honda. Donc Honda a renversé la vapeur. L'avance prise par le Yamazaki a été perdue. La pressing a fini par un coup de test. Le Blanca s'est mis en, s'est fait mettre en boîte. Cross-up. La furie qui vient de se décharger dans la garde. Ça va pas être bon là, il y a Max qui a un boulevard pour presser le Blanca. Voilà, coup de tête, finition de la glissade. Et il continue. Bah ouais, voilà. Forcément, il n'a pas de counter. Un bon enculaire, bien. Oh, la distance n'était pas bonne. Trop loin, dommage. Oh, bien vu, bien vu, bien vu. Le Blanca vient de raccrocher le wagon. Un petit peu de réussite, un petit peu de chance que le 720 soit pas passé. Sinon là, c'était au moins la moitié de la barre qui volait. Allez, Blanca normal versus Blanca coup de soleil. Ça va pas être très, très beau, mais c'est pas pour autant que c'est forcément un match qui est intéressant. Enfin, dans la tête des joueurs, c'est assez technique, mais c'est très très jojo à regarder l'extérieur. Voilà, le Blanca orange prend son temps pour la reconstruire sa barre, l'autre l'a construit en zonant. En pierre, ah, et encore une fille complètement optique dans la garde. C'est dommage parce que ça, c'est vraiment des occasions de retourner la vapeur qu'on lâche dans la nature. Là. Bonne finition, voilà. Allez, il y a le Blanca qui revient un petit peu, mais il est en train de pas se prendre une furie un moment avec cette phase.
Regarde, tu pètes la gare, dommage. Pète. Ah oh là là, encore une série qui part à la Zod sur la relevée. Ah bah là, Max, enfin CIB n'a plus qu'à attendre l'erreur pour tartiner, surtout qu'il a sa furie, lui. On a vu, oui. C'est vraiment verrouillé. Ouais, voilà, pas facile de revenir là. Premier match pour CIB. Le problème à résoudre apparemment, c'est surtout le Honda. C'est lui qui a retourné complètement la dynamique du match. Faut que le Yamazaki fasse plus le taf. Tout à l'heure, il a bien bossé, mais il s'est arrêté peut-être un peu. Ça fait du counter kick et ça prend Honda Blanca. La seule différence maintenant dans les équipes, c'est d'un côté Sakurai, de l'autre côté Rubial. Alors là, ça va être zoning, signature de Poc, footies et j'attends l'appui, j'attends l'erreur à l'infini quoi. Parce que pour eux par Honda, ils font souvent Honda. Remarque, Honda est un très très bon perso pour tuer la Sakura. C'est pas faux. Avec les RC. Parce que malheureusement Murat ne fait pas de RC, ce qui pourrait peut-être justement le mettre en difficulté. Ça fait beaucoup en fait. Honda c'est très utile. Je ne connais pas le cross-up avec Honda, en plus il utilise le pied, c'est pas le bon coup. Il fait des phases, on se croirait à 2x un peu. Mais l'important c'est que ça marche. Voilà, on est hier. Il a mis tout sur une shop. Sakura prend son temps pour boire tranquillou le Honda. Ouais, il vient de prendre une phase encore, c'était pas très très propre, mais ça marche. Anti-air sur le. Enfin, pardon. La torpille s'est arrêtée par le Leftig, double choc ce coup-ci, question de hauteur. Pas mal. La Sakura va perdre sa garde, ouais, mais du coup, répond avec une furie en anti-air pour liquider le gros. Ouais. Il a mis tout ce qu'il avait. C'est pas bon, la dynamique, à mon avis, n'est pas bonne pour Murat là. On remarque que Rugal a de bonnes armes aussi pour battre Sakura. Yamazaki avait tué Sakura tout à l'heure, donc il est un peu en difficulté quand même là du coup. Mais Rugal a ce qu'il faut pour tenir Sakura, mais le tout c'est d'avoir de la patience parce que forcément elle va pas attaquer follement. Surtout qu'elle a pas de barre, il n'y a pas de dégâts à faire là. Ah, donc on prend son temps. Rugal qui a toute sa barre va pas à l'abordage, il attend peut-être qu'elle construise sa barre, je sais pas. Ou il n'a pas de solution, ce qui est possible aussi. Oh là là, il vient de bouffer encore une chope. Ah, ça passe pas ça. Oh, ah, il rate encore, la hauteur est difficile à estimer pour faire ça. Et la Sakura va quand même peut-être faire le saut. Ah, un gros point qui vient de passer là. Chop, la Sakura a quand même bien vampirisé le round, même s'il lui reste pas grand chose. Là, il y a qui a perdu plus de la moitié de sa barre là. Raté, confirme de combo sur le cross-up. Gros pied qui fait double shot sur le base kick. Ça a bien fait le taf. Laborieux. Si le Rugal revient pas très fort là, c'est mal parti pour ce match. Hein. Honda, c'est un gros mur. Pas sûr. Honda va pas y aller. Hein. Il va pas offrir des solutions au Rugal. Ah, et un bon RC à travers la boule. Vraiment pas faire de boulot. Pas de solution pour attaquer. C'est un roll cancer. Il prend la propriété de la roulette qui est ainsi pour passer au travers avec son coup spécial. Le Rugal attend son heure. Il est chargé à fond, mais le problème c'est qu'Honda fait de même. Peut-être qu'il va casser la descente de Rugal. Il n'y a pas de solution là. Ouh là 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 là, ça aurait pu créer une situation à ubuesque ça. Oh, oh putain, ça c'était vraiment ce qu'il fallait pas rater, putain. Ça faisait depuis le début du round qu'on attendait une opportunité comme ça d'un côté ou de l'autre. Et là, Targat a raté son créneau là. Donc le Blanca, il va falloir qu'il sucre le Honda vite fait, mais le problème c'est qu'Honda il a presque toute sa barre, et il encaisse bien le gros sac. Voilà, cross-up sur la relevée là. Et il tente la phase 720, ça va pas y passer, mais c'est bon. Oh oui! Ah oui! Ah oui, 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 la Fury elle est passée sur counter hit là, du coup il y a un bonus dégâts, c'est monstrueux ce que le Honda vient de perdre. Par contre, Blanca est dans le coin, il n'arrive pas à l'en sortir. Pour l'instant, il a bien esquivé toutes les phases shop. Bonne punition, ça va être quand même court. Voilà, bien vu. Maintenant, il est en difficulté. Le Blanca a très peu de barres pour revenir, et alors que celui de Max est full de partout. Voilà, c'est pas compliqué. Alors, un bon anti-air.
cherche ta solution. Il est quand même double touche. Ça gratte bien là. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Oh, ça c'est un bon créneau ça. Une moitié de barre en moins. Attention, faut rester zen. Oh là là, non, faut pas jouer comme ça. Ah, et voilà. Tu whiffes pas impunément longtemps sur ce jeu. Victoire de CIB.